Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Business Space. Ce soir, nous allons parler du plan d'affaires, un document très important dans la vie de toute entreprise. Et pour ce faire, nous avons accueilli sur notre plateau les DG, les directeurs généraux des Table Management. Ils s'appellent tout simplement Amadou Doro. Amadou Doro, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci Monsieur Saré, bonsoir à vous. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Génial. Alors, le plan d'affaires, on entend parler, mais qu'est-ce que c'est réellement? Le plan d'affaires, c'est un dossier qui regroupe 5 sous-dossiers. C'est un document qui prévoit la vie future d'une entreprise. Okay. Donc, les 5 sous-dossiers sont les sous-dossiers financiers, les sous-dossiers études de marché, les sous-dossiers juridiques, les sous-dossiers environnementaux et sociaux et les sous-dossiers techniques. Ça, c'est les composantes du plan d'affaires, bien sûr. Bien sûr, ce sont les composantes du plan d'affaires. Ok, mais c'est le directeur général du Table Management. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu quelques sous-dossiers dont vous venez de nous parler tout de suite? Ok, je m'en vais détailler les sous-dossiers juridiques. Okay. Les sous-dossiers juridiques contiennent des informations telles que le statut de l'entreprise, son numéro UFU, son numéro de registre de commerce, les lois et réglementations qui cadrent le marché ciblé. Il contient également les informations sur l'environnement international, quand il s'agit de commerce international et autres. Le sous-dossier technique va comporter des données techniques. Des données techniques, je prends l'exemple d'une production agricole pour l'expliquer. Une production peut-être de papaye, je vais le prendre pour l'expliquer parce que si ce n'est pas sur la base d'un exemple, c'est difficile de cerner ce sous-dossier parce qu'il est très compliqué et il est spécifique selon des études données ou selon des activités données. Ok, lorsque on prend par exemple la production de papaye, disons qu'il faut déjà savoir quelle graine de papaye, il faut payer, il faut planter, faire les pépinières. Les pépinières, c'est à combien de mois ou à combien de semaines il faut les mettre sous terre. Quand on les met sous terre, il faut exactement quelle quantité d'engrais ou quelle quantité de fumier organique, si c'est une culture bio. Savoir quel temps ce papaye-là mis sous terre pourra grandir, fleurir, le temps de floraison, quels sont les traitements qu'il faut pour que ces papayes-là ne soient pas vulnérables aux insectes ravageurs et autres. Et il faut également savoir, de la floraison au fruit, il faut combien de temps, tout le circuit de pépinière jusqu'à à la maturité, ça prend exactement combien de temps. Et le pied de papaye, selon la technique de culture utilisée, peut produire combien de fruits de papaye. Et ces fruits de papaye vont peser environ combien de grammes ou de kilogrammes. Et estimer maintenant à combien on pourrait vendre cette production-là sur, pour un hectare ou plus d'un hectare, par exemple. Okay. Donc, le sous-dossier financier, il s'appuie... Qui est d'ailleurs le plus connu. Okay. Il s'appuie sur les 4 autres sous-dossiers. Parce que lorsqu'on n'a pas fini de travailler sur les 4 autres sous-dossiers... Quels sont ces 4 autres sous-dossiers? Quels sont-ils? Ces 4 sous-dossiers, c'est bien évidemment les sous-dossiers juridiques, les sous-dossiers techniques, les sous-dossiers études de marché et les sous-dossiers études d'impact environnemental et social. Bon, les sous-dossiers là sont donc des combien? 5. Ils sont 5. Ok. Mais il faut d'abord travailler sur les 4 autres avant de travailler sur les dossiers financiers. Ok. Parce qu'il faut s'assurer. C'est les dossiers financiers que les derniers dossiers, sous-dossiers. Oui, c'est le dernier sous-dossier à travailler dessus. Allez-y. Oui. Mm-hmm. D'où les gens résument le plan d'affaires à ces sous-dossiers. Les sous-dossiers études de marché. Oui. Je vais l'expliquer d'abord, comme je l'ai dit, qu'on doit attaquer les autres sous-dossiers avant de venir sur le dossier financier. Ok. Ok, le sous-dossier études de marché. Il s'agit ici de sonder le marché ou de faire
une enquête pour savoir quel est le goût des consommateurs par rapport aux produits ou aux services à mettre sur le marché. Et quelles sont les préférences, quels sont les tarifs clientèles et qui sont les concurrents, à quel prix ils vendent leurs produits, beaucoup d'autres choses. C'est assez long à détailler. Le sous-dossier financier, il va prendre en compte l'existence réelle du marché, la matière première, elle est où, on doit l'acheminer de quelle distance A à quelle distance B, puisqu'il faut maîtriser les coûts de transport, il faut maîtriser plein d'autres choses. Donc, c'est un peu ça, le plan d'affaires. Okay. Maintenant, la question que je vous pose, M. Doro, oui. Quelle est l'importance du plan d'affaires dans une entreprise? L'importance du plan d'affaires dans une entreprise, oui. Je dirais que le plan d'affaires est le cœur même de l'entreprise parce qu'il régit même la vie de l'entreprise. Il permet de prévoir la rentabilité future d'une entreprise qui n'existe pas déjà ou la rentabilité future d'un projet de développement d'entreprise. Parce que lorsqu'une entreprise existe, on peut également monter un plan d'affaires parce que beaucoup de gens pensent que c'est lorsqu'on veut créer une entreprise qu'on doit aller au montage de plan d'affaires. Elle est aussi importante, c'est-à-dire l'étude, mais ici on parle de plan d'affaires. Donc il est aussi important, oui. Voilà, de monter le plan d'affaires pour ceux qui ont besoin de financement auprès d'un bailleur ou en banque. Parce que quand vous partez aujourd'hui en banque, vous voulez un prêt, si vous n'avez pas de plan d'affaires, ce n'est pas possible de l'avoir. Vous êtes obligé de vous faire monter un plan d'affaires, un bon d'ailleurs, pour que votre dossier passe. Parce qu'il faut que votre bailleur ou votre banquier s'assure que votre activité est rentable et que votre activité permettra de couvrir le crédit qu'il va vous octroyer. Okay. Mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que concevoir le plan d'affaires avant le lancement d'une entreprise ou bien déjà au cours de la vie de l'entreprise? Voilà. Ok. Ce qui est très très important, mm-hmm. c'est de monter le plan d'affaires avant de se lancer dans son business. Mm-hmm. C'est très très important parce que pour vous lancer dans votre business, vous avez besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup d'énergie pour la mise en place de votre business. Vous avez besoin des ressources humaines qui ne sont pas forcément à votre disposition. Donc, il faut quelqu'un de qualifié, un technicien qui va vous dire quel poste il faut pour votre projet pour que vous puissiez faire un recrutement adéquat. Si vous n'avez pas consulté un technicien à la matière, il va de soi que vous n'aurez pas le personnel qualifié nécessaire à votre activité. Alors que c'est l'homme qui produit la richesse. Par exemple, c'est très important de monter le business également avant d'y aller parce que vous pouvez investir des centaines de millions et perdre tout lorsque vous négligez certaines charges qui sont très très importantes. Certaines charges comme par exemple les charges d'électricité quand il s'agit d'une usine. Lorsque vous ne maîtrisez pas le coût de l'électricité, parce que vous pouvez lancer une commande d'une machine de 120 watts ou 120 kilowatts, je dis n'importe quoi. Hein. Okay, il faut que n'importe quoi. Il faut que vous travaillez ces données-là pour savoir exactement combien, en termes de coût d'énergie, ce projet-là pourra engendrer lors du fonctionnement. Maintenant, M. Doro, qui est mieux placé pour concevoir le plan d'affaires? Pour concevoir le plan d'affaires, je dirais que tout simplement, un conseiller en investissement est le mieux placé pour monter le plan d'affaires. Les marketeurs le font, mais pour le faire en tant que marketeur, il faut avoir une formation supplémentaire. C'est très, très important. Ok. Est-ce qu'il y a des organisations, des entreprises qui font cela? Ici, à Ouagadougou, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des entreprises qui montent des plans d'affaires. Oui. Ils sont nombreux, d'ailleurs. Vous êtes directeur d'une entreprise. Ça s'appelle Jabal Management. Est-ce que ça fait ça? Oui, mon entreprise monte des plans d'affaires. Okay. C'est la raison principale de l'existence de l'entreprise. Nous montons des plans d'affaires quotidiennement, et nous le faisons bien d'ailleurs.
Votre entreprise s'appelle Jabal Management. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'essence Jabal Management? Qu'est-ce que c'est? Jabal Management. Oui. Jabal, c'est un mot arabe qui veut dire la colline, la montagne. Ah, ok. Ouais. Donc, management, comme le management, la gestion. Donc, nous voulons gérer au mieux le business de nos partenaires et les amener au sommet de la colline. D'accord. Ouais. C'est ça l'essence. Le sens de Jabal Management. D'accord. Monsieur Doro, tout de suite, si vous avez un message à lancer, quel serait-il et c'est à l'endroit de qui? Si j'ai un message à lancer, ça serait d'abord un message d'appel aux entrepreneurs, aux start-up, à se décider formellement à monter des plans d'affaires avant de se lancer dans leur business. J'appelle les opérateurs économiques à n'investir qu'après avoir monté un plan d'affaires. C'est ainsi qu'on pourra faire développer l'Afrique. Amadou Doro, merci. Merci à vous pour m'avoir reçu à RT Sahel. Merci. Donc, c'était Amadou Doro, directeur général de Jabal Management. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.